Salut tout le monde, c'est Fitz. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit vlog. Mes nouveaux logos. On part une nouvelle compagnie qui s'appelle Fitz Café. Mais c'est pas vraiment ça qu'on va parler aujourd'hui. Quand on se fait inviter dans un party, puis tu t'appelles Fitz le brasseur, que tu brasses de la bière, ben faut que tu arrives en grand. Puis quand tu parles d'arriver en grand, on va arriver avec 40 litres de bière à boire avec un casque qu'on va faire taper par notre invité. Fait que on vous présente la petite soirée dans pas long. Ciao les amis! Je sais même pas si c'est bon. D'habitude, on les part en pyrotechnie avec une station, puis les feux sont gros de même. Mais tu sais, si t'avais juste ça à offrir, je vas-y comme tu le files. Ouais, mais faut que tu cognes fort, là. Hein? Ben, c'est toi qui vas le savoir quand tu vas te faire arroser s'il est pas assez fort. Ça se dit, tiens, je sais pas où tu te bouges, parce que ça va pas être là. C'est comme les mariages, tu peux pas savoir quand il est pas fort. Ouais, c'est ça. J'ai dit l'autre chose. Un, deux, trois, go. Hey, ah ouais. Voilà, allez. Je n'ai même pas fait arroser. C'est parce que t'avais enlevé la pression en haut. Hein? Ouais. Tu vois qu'il y a du monde qui a d'autres priorités que nous autres. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de taper notre casse. Fait qu'on l'a ouvert, on l'a mis notre robinet dessus. Puis comme toute bonne personne qui amène de la bière chez quelqu'un, tout le monde a déjà rêvé dans un bar de se mettre la bouche en dessous pour l'ouvrir. Fait que mets-toi hein? Couche-toi en dessous, on va l'ouvrir, puis essaye de t'aligner comme du monde. Fait que Red, si tu veux y ouvrir. Là, on a le COVID, fait que vous te mettez la tête à terre, t'as pas le choix. À deux mètres. Fait que, une chance que t'es chez toi, s'il arrive quelque chose, tu vas pouvoir te changer. Quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait pour, hein, Daniel? Oh, c'est Mr. Steak. La là, t'es-tu un peu aligné? Attends, là. C'est sûr qu'elle est par là, là. Attends, si je vois ça de même, OK. Oh, oui, parce que le. Attends, là. T'es-tu correct? Un, deux, trois, go. T'es pas obligé de le mettre si juste tu veux un collet.
15 heures. Ça va être chaud dans l'eau. Là. Qu'est-ce que ça sent, là? Non, non, mais quand tu le débarres, là, le jus, il est là, regarde. Ah, ben oui. Le jus de cuisson, tout, là. On voit qu'il y a du monde qui ont faim, ici. Fait que c'est quoi t'as préparé, mon beau Dan? Épaule de bœuf, longe de porc, poulet au bout. Puis après ça, on a de la bière. De la bière, blé d'Inde. Des blé d'Inde, juste là. Puis c'est une marinade. Marinade bière chipotelée. J'ai pas mon téléphone. Bon appétit. Lui, il n'a pas le droit de boire de la bière, pas le droit d'aller sentir le repas. Il est attaché, il est un petit peu en maudit. Fait que notre petite étape de bière avec fromage fumé. Ça va être super bon ce repas-là, j'ai vraiment hâte d'y goûter. T'en penses? Moi, j'en pense que Fitz, ta bière, est... ça fait un an que tu l'as sortie, ça? Ouais, le casque, ça fait un an. Ouais, elle, là, un an, elle est très bonne. Elle est même excellente. J'en prends un autre. Regarde, voilà. Il faut pour aérer la bière. Ça va y faire un petit collet. Merci, Fitz. Ça fait bien, ouais. Le monde, il trip. J'aurais peut-être pas dû donner de la bière avant de manger. Wow. Bon. Check la chainsaw pour de vrai. Ouais, je sais, j'ai regardé. Le monde, il rit quand je dis que j'ai une chainsaw à bouche. Là, mais... C'est ça, j'ai dit dans la vidéo. Quand t'es pauvre, quand t'invites du monde et t'es pauvre, c'est ça que ça donne. Le gars, il est bûcheron dans la vie en passant. C'est peut-être pour ça qu'il y a une chainsaw spéciale. Chaud, mon Dan! Un petit peu. Ça fait plus de lumière. Toute une... Go, ça! Ça va, c'est ça! Je pense que tu sais, quand tu dis que le gars, il invite même des avions pour venir à son party, c'est parce que t'es big pour à peu près.